Merci de cette invitation à s'exprimer dans le cadre de votre programme qui nous intéresse beaucoup à la fois au réseau Chance Paysanne et à la Via Campesina, parce que nous pensons que ces questions de souveraineté alimentaire sont aujourd'hui au centre non seulement de la question de l'alimentation, mais peut-être aussi de la souveraineté politique des pays et des peuples. Le réseau Chance Paysanne, en deux mots, est un réseau français de 70 à 80 organisations, soit nationales, de l'agriculture biologique ou de l'agriculture paysanne. Beaucoup de petites organisations locales qui animent ce qu'on appelle des maisons de semences, c'est-à-dire là où les paysans et des jardiniers prennent en main localement la gestion des semences ou leur diffusion. Des associations aussi de solidarité Nord-Sud. Bon, Brac de la Perrière est ici pour BD, qui travaille beaucoup sur le continent africain. Quant à la Via Campesina internationale, c'est quand même le seul syndicat mondial, ou en tout cas le principal syndicat mondial aujourd'hui, qui représente essentiellement des petits agriculteurs dans de nombreux pays, et qui a été la première à poser dans le débat, notamment à la FAO, le concept de la souveraineté alimentaire. Donc, en ce qui concerne les semences, ce matin, j'ai beaucoup entendu parler de régulation du commerce, d'accès aux ressources. Il me manque un élément essentiel dans vos débats, c'est le droit des paysans. Le droit des paysans, d'une manière générale, hein, on est aujourd'hui dans la discussion d'une déclaration à l'ONU sur les droits des paysans, le droit d'accès aux ressources. Et en ce qui concerne les semences, le droit des paysans de réutiliser leurs récoltes comme semences, le droit des paysans de sélectionner leurs semences, de les conserver, de les échanger, de les vendre et de les protéger aussi. Et ça, c'est peut-être un élément essentiel qui fera que je suis moins enthousiaste que vous sur les échanges internationaux, de les protéger de la biopiraterie qui peut être économique et pas simplement l'appropriation directe ou des contaminations génétiques. Et j'aurais tendance à dire que on ne résoudra pas la question de la démocratie alimentaire ou de la souveraineté alimentaire si on ne remet pas ces droits des paysans au centre du débat. Aujourd'hui, on vient de vivre une semaine un peu particulière en France, puisque depuis, si on suit la décision du Sénat de mercredi dernier et celle de jeudi dernier, tout agriculteur, sauf pour juste une petite catégorie, ceux qui font du blé tendre, tout agriculteur qui reproduit sa semence ou qui échange des semences avec ses collègues est un contrefacteur qui peut être menacé de saisie de sa récolte, qui peut être menacé de destruction de sa récolte. Nous ne sommes pas des producteurs de jouets ou d'habits ou de transistors. Nous sommes des producteurs d'aliments. La même loi a été mise récemment en œuvre par Monsanto en Colombie. On a détruit plusieurs tonnes de riz parce qu'on a dit que c'était des contrefaçons, parce que les agriculteurs n'avaient pas payé des royalties sur leurs semences. Ça a provoqué des émeutes et le gouvernement a été obligé de retirer sa loi. Et je pense que faire rentrer la semence et l'alimentation dans le cadre général des lois faites pour l'industrie, moi je comprends très bien que les industriels se protègent contre les contrefaçons, mais nous, d'abord, nous ne faisons pas des copies. Dans le monde vivant, si quelqu'un me montre qu'il est capable de faire une copie, je l'attends toujours. Une plante ne se reproduit jamais à l'identique, un animal non plus. Et nous produisons de la nourriture, on ne détruit pas de la nourriture. Ça, je pense que c'est une première chose. La deuxième chose que je voudrais dire, c'est qu'on a souvent l'habitude d'opposer deux systèmes agricoles et deux systèmes semenciers. La semence, c'est le début de l'agriculture. Du type de semence qu'on utilise dépend le modèle agricole. Et il y a une agriculture paysanne, une agriculture industrielle. Je dirais aujourd'hui, il y a aussi une nouvelle agriculture qui apparaît avec l'économie de la biomasse. On a parlé ce matin d'économie verte, hein. Le mot anglais, je ne vous le prononcerai pas, je ne parle pas anglais, qui est peut-être un nouveau modèle industriel qui apparaît avec un nouveau système juridique qui est en train de se mettre en place. L'agriculture paysanne, comment l'agriculteur
utilise la semence, qui est une forme de domestication des plantes. Hein. C'est une interaction entre un organisme, un être vivant qui est la plante et des communautés humaines. Ben, si on veut qu'elle pousse, il faut qu'elle s'adapte là où elle est. Et pour s'adapter là où elle est, comme les terroirs sont tous très différents et que les climats changent chaque année, les paysans sélectionnent on va les appeler des variétés, c'est un concept qui n'est peut-être pas très adapté aux semences paysannes de par sa définition juridique, mais des variétés qui sont très hétérogènes, très diversifiées et qui ont une capacité de variabilité, donc d'adaptation au changement climatique notamment, extrêmement importante, puisque les agricultures, en tout cas traditionnelles, bon, il y a l'agriculture paysanne moderne, j'en parlerai après, n'ont pas tous les outils qu'a amené la révolution industrielle pour augmenter les rendements comme on l'a fait récemment. Et donc les principaux outils dont disposent les sélections paysannes, les paysans sélectionneurs, c'est de réutiliser régulièrement les mêmes semences dans les mêmes terroirs pour les adapter, et d'échanger des semences régulièrement entre eux, entre paysans, pour renouveler le pool génétique, pour renouveler la diversité, de manière à ne pas avoir un rétrécissement trop important dans le sens de l'adaptation. Le système industriel qu'on connaît, bon, surtout depuis le plan Marshall en France, mais bon, toutes les révolutions vertes qui ont suivi au niveau mondial, ont augmenté la productivité. Oui, on a augmenté la productivité parce qu'on a remplacé le travail du paysan par l'énergie fossile. C'est un système qui repose sur la pétrochimie. On oublie, c'est pas uniquement pour faire marcher les tracteurs ou les transports, c'est avant tout la fabrication d'engrais chimiques qui consomme énormément d'énergie et qui consomme une quantité telle d'énergie que s'il fallait la payer à son vrai coût, on arrêterait tout de suite d'utiliser des engrais chimiques. Et donc le système semencier qui s'est mis en place avec un système juridique à ce moment-là, on n'a pas adapté les plantes à la diversité des terroirs, à la variabilité des climats, on les adapte partout aux mêmes intrants, que ce soit l'engrais chimique, que ce soit la mécanisation, que ce soit les pesticides qui vont avec, et pour pas mal de cultures, bon, en France on connaît le maïs, à des irrigations extrêmement intensives. Donc à partir de là, on a fait l'inverse. Au lieu d'avoir une grande diversité de plantes très variables, on a eu des plantes qui sont toutes les mêmes, puisqu'elles sont toutes adaptées partout aux mêmes intrants, et on a pu répondre aussi à une demande, notamment de la grande distribution ou de l'industrie agroalimentaire, d'avoir des lots de matières premières agricoles uniformes, homogènes et stables, c'est-à-dire toujours les mêmes à chaque fois. Et donc, là-dessus, s'est monté un système juridique qui a consisté à déposer un titre de propriété intellectuelle sur la variété homogène et stable, donc celle qui correspond à l'engrais chimique, celle dont on est obligé d'utiliser l'engrais chimique et les pesticides pour la cultiver, et de conditionner l'accès au marché aux standards de cette propriété intellectuelle, les caractères d'homogénéité et de stabilité, qui sont ceux du certificat d'obtention végétale, sont aussi ceux du catalogue, qui est l'autorisation de mise en marché des semences. Il faut que la variété appartienne au catalogue. Et donc, c'est un système qui s'est simplement contenté de s'approprier le monopole de l'accès au marché en interdisant la concurrence. La concurrence, ce sont les semences paysannes. La semence, ben, ma foi, c'est dommage pour un industriel. Elle se reproduit gratuitement dans le champ du paysan. Eh bien, on va interdire celle qui se reproduit gratuitement dans le champ du paysan, puisqu'elle n'est pas homogène et qu'elle n'est pas stable. Alors, il y avait quand même une contradiction dans ce système, c'est qu'aucun industriel, en tout cas de cette première génération d'industriels, n'est arrivé à fabriquer des semences avec des petits bouts de produits chimiques dans des éprouvettes, dans un laboratoire. Non, toutes les semences industrielles sont issues des semences paysannes, qui est, d'ailleurs ils appellent ça des ressources génétiques. Les semences paysannes, ce sont les ressources génétiques de l'industrie. Alors c'est embêtant parce que si on interdit la ressource, elle disparaît. On peut la mettre dans des frigos, dans les banques de gènes, mais bon, elle périt. Et donc finalement, on a eu une espèce d'équilibre qui s'est créé entre le système juridique de l'agriculture industrielle qui interdit les semences paysannes avec le certificat d'obtention végétale et le catalogue. Et puis, bon, on ne vend pas quelque chose à quelqu'un qui n'a pas d'argent. 70% de la nourriture au niveau mondial est encore produite dans les systèmes qu'on appelle l'agriculture vivrière.
Ces paysans-là, bon, ils produisent, on dit, pour l'autoconsommation, bon, ils échangent localement. En fait, les réglementations de la semence, le catalogue et l'UPOF ne s'appliquent pas à ces agricultures vivrières, ce qui permet de renouveler les ressources génétiques dont l'industrie a besoin pour faire toutes ces sélections. Et en fait, aujourd'hui, et c'est pour ça que je suis bien content d'avoir quelqu'un de la Commission européenne qui est ici, on a une réforme une proposition de réforme faite par la Commission du système semencier juridique au niveau européen, où on voit un certain nombre d'ouvertures apparaître dont nous pourrions être très contents, puisqu'on nous propose justement d'avoir... Alors, ils s'appellent plus ça des variétés, ils appellent ça du matériel. Moi, ça me fait peur quand on traite des plantes de matériel. Pour moi, c'est pas du matériel, ça reste des êtres vivants. Mais bon, matériel hétérogène, ça m'intéresse. Moi, j'ai des variétés qui sont très diversifiées, qui sont très variables. Ça correspond à ce qu'on demande. Mais quand on regarde un certain nombre de projets industriels qui sont en train de se monter, on voit que dans l'industrie, on a une nouvelle demande qui apparaît de manière massive, qui est celle d'une biomasse indifférenciée, hein, des chaînes carbonées, avec un certain nombre de caractères bien particuliers pour pouvoir fabriquer du plastique, fabriquer du diesel, de l'éthanol, fabriquer des aliments. Hein. Sachez que quand vous mangez une pizza avec du fromage, il n'y a pas de lait dans le fromage. Hein. C'est le fromage analogue, c'est un produit industriel fait avec des chaînes carbonées, des protéines, dans des fermenteurs, à partir de biomasse indifférenciée. Et pour produire de la biomasse indifférenciée, on n'a pas du tout besoin de variétés stables et homogènes. On ne va pas perdre du temps, 10 années de sélection pour homogénéiser et stabiliser des variétés. Mais alors vous me direz, mais il n'y a plus de titre de propriété intellectuelle. Eh bien si, il y a un nouveau titre de propriété intellectuelle qui était celui du système américain, qui aujourd'hui apparaît de manière massive en Europe, c'est le brevet. Le brevet, non pas sur la variété, il est interdit en Europe, mais le brevet sur les caractères des plantes, qu'ils soient génétiques, qu'ils soient biochimiques. Hein. C'est pas que des caractères génétiques. Hein. On connaît les OGM, mais il n'y a pas que les OGM. Et aujourd'hui, on voit même l'Office européen des brevets accorder des brevets sur des caractères qui existent déjà dans les plantes qui sont dans nos champs depuis plusieurs générations. Hein. Vous avez tous entendu parler du chou brocoli, de la tomate ridée, du melon doux amer de Syngenta. Et ce système du brevet est en train de faire éclater le système semencier industriel tel que il s'était monté. Tout simplement, c'est que dans le patrimoine commun qui est appelé ainsi, c'est-à-dire l'ensemble des semences paysannes, c'est le patrimoine commun des semenciers, ils vont puiser dedans, ils ont mis ça dans des frigos, mais au fur et à mesure qu'on dépose des brevets, les caractères sont dans ces plantes-là, et donc il y a une privatisation totale des ressources génétiques. Alors, la question qui se pose aujourd'hui, est-ce que la solution est dans la fuite en avant vers les mêmes impasses sanitaires, écologiques, avec les engrais chimiques, avec les problèmes de santé que ça pose, et de confiscation du vivant par des multinationales? C'est elles qui vont décider du droit à l'alimentation des pays. C'est bien un problème, pas simplement de souveraineté alimentaire, mais de souveraineté politique. Si un pays ne peut pas manger parce qu'il n'a pas de semences... Ben c'est la multinationale qui décidera quel est le gouvernement qui doit être dans ce pays. Donc il y a un vrai problème qui se pose. Est-ce que la solution est dans cette fuite en avant, ou est-ce que la solution n'est pas de revenir aux droits des paysans avec quelque chose d'extrêmement nouveau aujourd'hui, hein, que je qualifierais d'agroécologie paysanne, pas d'agroécologie avec un peu d'engrais chimiques et d'OGM comme le proposent certains ministres. Je parle bien d'agroécologie paysanne. C'est quoi l'agroécologie paysanne? Les agricultures traditionnelles se sont construites localement, sont très adaptées localement à leurs écosystèmes. Aujourd'hui, nous vivons la révolution de l'information comme tout le monde, y compris avec les ordinateurs, et on a une explosion... une amélioration très rapide des pratiques de l'agroécologie paysanne, parce que les paysans échangent leurs pratiques entre eux au niveau international. Et aujourd'hui, en termes de productivité à l'hectare, ce matin on a parlé de productivité à l'hectare, le système industriel qui a remplacé les paysans par l'engrais chimique et des tracteurs, mais il est nul en termes de productivité. À partir du moment où on fait des cultures associées, à partir du moment où on fait de l'agroforesterie, alors oui, il faut un peu moins de machines, il y a un peu plus de paysans dans les champs pour faire ça. Mais on a une productivité à l'hectare qui est bien supérieure.
Ce matin, on a parlé d'alimentation animale. On a 3 millions d'hectares de maïs pour nourrir des animaux en France. Faites 3 millions d'hectares de jardins, vous nourrissez une bonne partie de la population française. Donc, il n'y a pas de problème qu'on risque de manquer d'alimentation, mais peut-être qu'il faut remettre des paysans avec des droits dans les champs. Et je conclurai en disant, mais ces paysans, ils sont là. Parce que les 5 millions ou plus de chômeurs qu'on a en France aujourd'hui sont tous des paysans sans terre de deuxième ou troisième génération. Ils ont, leurs grands-parents ont quitté les champs au lendemain de la guerre pour aller remplir les usines. On a délocalisé les usines. Aujourd'hui, ce sont des chômeurs. Donc on a la solution dans nos mains. Et ce que je vous décris pour la France, on peut le remettre au niveau mondial. Voilà, je vous remercie.